là, je dois dire que j'arrive d'une autre planète, je viens d'Australie. Donc, je ne sais pas, du tout ce qui s'est passé. Mais je vois que c'est à peu près toujours la même chose. C'est rouge, là, le tapis est rouge et les mecs sont bronzés. Oui, on a bonne mine, hein. Oui, très. C'est toi qui as choisi la musique, là, parce que c'est à chier, là, par contre. Mais c'est quoi le thème de la soirée Guetta? J'ai pas compris. Bah, ça s'appelle Fuck Me, I'm Famous, baise-moi, je suis célèbre, donc je sais pas exactement ce qui se passait dans les backrooms, etc., mais je veux pas savoir. C'est le cinéaste Jafar Panahi qui est membre du jury, mais depuis le début du festival, regardez cette image, elle est très symbolique, sa chaise est restée désespérément vide. Ça fait 2 mois maintenant qu'il est enfermé dans la prison d'Evin, c'est au nord de Téhéran, que sa femme et sa fille sont menacées. Il est emprisonné depuis 2 mois. Il n'a rien bu ni mangé depuis dimanche. Et quand Juliette Binoche apprend la nouvelle lors d'une conférence de presse, elle fond en larmes. L'actrice joue dans le film d'Abbas Kiarostami, lui aussi iranien. La belle Géraldine Pellas en asymétrique Lanvin montait les marches avec Christopher Thompson. La top espagnole Eugenia Silva avait choisi une robe signe à plumes. L'actrice Nora Van Velstetten défilait avec toute l'équipe du film Carlos en robe Chanel. Indochine est fan de Paris Hilton. Qui ? Paris Hilton. C'était pas pris. Ah bon ? Aujourd'hui, c'est une arrivée de star. Il y a 40 ans, c'est presque en fuyard que Mick Jagger arrivait sur la Côte d'Azur. 1971, traqué par le fisc anglais, pris dans des affaires de drogue, les Stones fuient l'Angleterre, trouvent refuge à Nellcote, une villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat près de Cannes.